Estimation de l'Organisation mondiale de la santé, 15% des personnes dans le monde sont touchées par le handicap. Le Pérou, situé à l'ouest de l'Amérique du Sud, avec une population estimée à 31 826 000 habitants, compte environ 5 millions de personnes handicapées. En 1979, il n'existait aucun programme éducatif pour les personnes gravement handicapées au Pérou, et la plupart devaient rester à la maison, apprendre peu et faire encore moins. En décembre 2012, une loi a été adoptée pour que les entreprises puissent avoir un quota de 5% de personnes handicapées travaillant dans le secteur public et de 3% dans le secteur privé. Mais la loi n'a pas encore été appliquée à ce jour. Le Centre Anne Sullivan du Pérou a été fondé en 1979 en tant qu'organisation à but non lucratif et fournit aujourd'hui des services à plus de 400 étudiants de la naissance à l'âge adulte. Les meilleures entreprises du Pérou recrutent des personnes avec des habiletés différentes, dont certaines travaillent de manière continue depuis 18 ans. Car les entreprises ont appris que les personnes aux capacités différentes possèdent de nombreuses qualités recherchées par les employeurs. Une bonne éthique de travail, des interactions sociales professionnelles, la loyauté et le désir d'acquérir des compétences avant de pouvoir progresser. Ici, nous sommes dans un magasin et nous allons à la rencontre de personnes autistes qui plient et rangent les vêtements dans les rayons. Nous découvrons que ce sont les parents devenus grâce au CASP de véritables professionnels qui coachent leurs enfants afin qu'ils deviennent autonomes. Les professeurs d'insertion professionnelle du CASP viennent régulièrement au sein de l'entreprise pour remplir un registre de réalisation et d'objectifs et voir si tout va bien. Ce papa nous explique sa méthodologie, leur organisation, mais surtout
combien il est heureux de voir son fils autiste sévère travailler dans ce magasin. Sí, está bien, está aprendiendo. Entonces la corrige. Sí, sí. O sea, los procedimientos estaban perfectos, lo entiendo. Ella no es educadora o entonces por eso que quiero traducírselo bien. Bueno, él lui montre, él limite. Il essaye d'aller un peu plus vite qu'elle, mais elle le recorrige pour qu'il le fasse. Là, il apprend la qualité, la précision du geste. Parce que nous voulons voir qu'ils apprennent correctement. Queremos que aprendan correctamente, porque después... Non, c'était très bien. Et donc, c'est un chaînage avec la guidance par imitation. On appelle ça le modelage. En technique. Eduardo Messine está. Eduardo es su primer día acá. Ah, Eduardo, c'est son premier jour ici. Félicitations. Hemos tenido que coordinar con la mamá porque él venía martes y jueves. Ouais, ils ont dû coordonner avec la maman parce qu'ils venaient que mardi et jeudi. Entonces hemos hablado. Está bárbaro para un primer día. Sí. Félicitations. El año pasado también ha estado en entrenamiento. L'année dernière, il était aussi dans un autre entraînement professionnel, dans un autre lugar, dans un autre endroit. Nous remontons en voiture pour aller à la rencontre de Juan Carlos, qui travaille sur un ordinateur en open space. Il nous parle de son travail. Je suis chargée de signifier aux collaborateurs lorsqu'ils arrivent en retard. Je ne peux pas en dire trop car c'est confidentiel. Je crée des messages types pour leur signifier les choses. J'écris sur Word, puis je le passe dans le logiciel de messagerie. Je le fais sous la supervision de Nancy. Lorsque Juan Carlos est arrivé au centre, il avait 3 ans. Autiste, il ne savait ni marcher ni parler et avait des troubles du comportement. Il est maintenant adulte, sait se tenir debout et parler et n'a pas de comportement autodestructeur. Juan Carlos et sa mère donnent des conférences avec le personnel du CASP lors de conférences organisées au Pérou et à l'étranger pour enseigner à d'autres parents et professionnels. Au CASP, 60% des travailleurs sont autistes. Ils aident économiquement leur famille en payant l'eau et l'électricité, les médicaments de leurs parents, en prenant en charge leur propre transport et même en commençant la construction de leur propre maison. Les étudiants et travailleurs du CASP bénéficient des mêmes avantages gouvernementaux que tous les travailleurs péruviens. Nous reprenons la voiture pour aller rencontrer une équipe du CASP qui travaille dans un restaurant. Pour faciliter l'insertion, il est important que les personnes puissent travailler dans des conditions ordinaires. Le CASP estime qu'il faut habituer les travailleurs à l'environnement le plus naturel et ordinaire possible. Par exemple, ici, Milagros travaille dans une ambiance sonore particulière à l'enseigne, c'est-à-dire qu'elle doit être capable de faire son travail dans la même ambiance que ses collègues sans handicap. On prendra le temps qu'il faudra pour lui enseigner les compétences nécessaires et pour qu'elle atteigne des critères de performance optimum comme ceux demandés pour ses collègues. Pour l'instant, Milagro a le critère de précision, mais elle n'a pas le critère de rapidité et c'est sur ce critère que se portent nos objectifs actuels. Thank you.
Les personnes sont guidées jusqu'à la maîtrise totale de la compétence. On ne les laisse pas se tromper. Le mode particulier de fonctionnement nécessite un enseignement sans erreur. On aide, puis on estompe les aides afin qu'ils soient totalement indépendants et performants. À nouveau, dans le flot de la circulation, nous retournons au centre Anne Sullivan afin d'y déjeuner. Découvrir la nourriture péruvienne que nous ne connaissons absolument pas et rencontrer tous les professeurs. Et bien sûr, l'occasion d'apprendre encore et encore. Pendant ce temps, les familles et les autres membres du CASP nous préparent dans le secret absolu une surprise dont nous garderons éternellement le souvenir. Le slogan du centre Anne Sullivan du Pérou est le pouvoir des deux, le pouvoir des parents devenus professionnels et le pouvoir des professionnels. Le pouvoir des deux ensemble fonctionne toujours. Ils seront indépendants, heureux et productifs. Adaptation en chanson. Accueil incroyablement chaleureux, le docteur Liliana Mayo, qui dirige le centre Anne Sullivan, nous le fait découvrir. Tout le monde est heureux ici de fêter bientôt les 40 ans du centre, ce qui va donner lieu à de nombreuses réjouissances et manifestations. Au détour d'un couloir, nous arrivons sur une séance de travail de groupe avec des adultes autour du chien d'assistance. L'enseignante pose des questions et donne un retour immédiat en félicitant le jeune qui répond. L'enseignante est une maman. Kansas. Sí, Kansas. Cada año tiene que irse a más entrenamiento. Y yo, chicos, miren. No, lo llevo. ¿Cuál es, otra pregunta? Miren, ¿cuál
su plato de Tempi. Ça, c'est une autre question, c'est laquelle l'assiette de Tempi doit apprendre mire. La discrimination. Voilà, voilà. Si, répondre à la question. John, qui estaba attento. John, quel est le plato de Tempi? Muy bien, este. ¿Cuál es el plato anaranjado? Anaranjado. ¿Cuál es la asiento? Orange. Muy bien, este es el color anaranjado. Muy bien. ¿Y cuál es? A ver, otra pregunta, la última ya. A ver, la última, la última. ¿Cuál es el plato de Tempi? Le gusta mucho el arroz. Donc l'autre maman, Nous entrons dans une salle d'entraînement aux habiletés du linge. Lavage, pliage, entretien des machines à laver. Les étudiants s'entraînent à acquérir des compétences pour la vie professionnelle. Les professeurs les aident avec des pictogrammes. Ainsi, ils peuvent analyser les différentes tâches à effectuer. Comme ça, ils peuvent apprendre toutes les compétences qui sont nécessaires à ce qui est demandé dans une buanderie. Donc, ils, ici, le livre, ont que il y a un vernis qui a des deux couleurs, comme ça ils savent, ils peuvent mettre en fonction de l'emplacement dans la machine que tu as vu là-bas. Marcela, por ejemplo, está aprendiendo a doblar, pero con para la... que sea más precisa, sí. Está ayudando con la plantilla. Sí, sí, sí. Donc là, c'est pour apprendre à plier, et tu sais, avec l'outil, c'est plus facile avec ça. Sí, yo, nosotros somos. Nous apprenons en échangeant avec les professeurs que le CASP, en plus d'avoir depuis 40 ans développé des moyens d'améliorer et de rendre l'éducation pour les personnes ayant des capacités différentes plus fonctionnelles, afin qu'elles puissent travailler en tant que membres importants de leur famille et de leur communauté, le CASP a également développé des programmes de formation pour les parents et les professeurs. Et développé également des programmes dans 9 pays de formation et de consultation continue pour améliorer leurs programmes actuels ou en créer de nouveaux là où il n'y en avait pas, et probablement encore beaucoup plus de choses. La meilleure éducation consiste à respecter et à traiter les élèves de la même manière que l'on souhaiterait être respecté et traité. Ainsi, les enfants et les étudiants du CASP apprennent mieux et plus vite. Les professeurs qui travaillent au centre Anne Sullivan disposent de cahiers d'échange pour une communication constante avec la famille, ainsi que de cahiers de monitoring des progrès des jeunes au travers des cibles du PEI.
l'objectif principal met l'accent sur l'importance que les enseignants et les familles deviennent des éléments conditionnels pour les étudiants en devenant leurs amis avant de s'attendre à ce que leurs éloges soient suffisants pour obtenir leur coopération dans des environnements éducatifs. Le programme du CASP, appelé naturel fonctionnel, est axé sur la capacité des élèves et non sur leur handicap. Il leur enseigne à être indépendants, productifs et heureux de manière à pouvoir participer à toutes les activités de la société. Le CASP a demandé à un de leurs jeunes doués en informatique de leur développer tous les outils numériques dont ils avaient besoin. Ici, un outil de monitoring. Le centre Anne Sullivan du Pérou a plus de 100 étudiants travaillant dans 43 entreprises. 60% de ces travailleurs sont autistes et pour la plupart sévères. Tous reçoivent le même salaire et les mêmes avantages que les autres employés pour le même travail et participent à toutes les activités sociales sur leur lieu de travail. Les personnes aux capacités différentes peuvent travailler et contribuer au revenu familial. Nous terminons la visite du centre Anne Sullivan ce jour-là par une photo souvenir devant le magnifique panneau préparé en notre honneur, avant de reprendre la voiture pour aller au domicile de Liliana qui a préparé un bon repas pour sa famille, les professeurs, José et nous. Nous sommes très touchés et honorés par cet accueil chaleureux, cette humanité, bien au-delà des mots, et nous sommes ravis de cette nouvelle amitié qui commence. Le programme de travail que nous ont préparé Liliana et les professeurs est intense et le rythme soutenu. Après une bonne nuit de sommeil, nous partons de bonne heure pour une école située à Lima, rejoindre une maîtresse qui accueille 5 enfants handicapés. Elle a 40 enfants dans sa classe et elle est seule. Elle est formée par le centre Anne Sullivan et supervisée par eux, ce qui est un précieux soutien pour accueillir un jeune enfant TSA en classe ordinaire sans auxiliaire. Acá, Nicolas. Acá. Chicos, está aquí, aquí termina la primera cantidad.
y enseguida tengo que seguir con la segunda cantidad. A ver, me ayudan a contar. ¿Hasta cuándo tengo que llegar? A cuatro saltitos. A ver. Voy a creer que por ahí hay un grupo que quiere salir. Leo. Le damos una última oportunidad. Hay un grupo que va a sortir plus tôt. ¿Se dan cuenta que ustedes me están diciendo una misma cantidad? Vamos a comprobar. Voilà, le registre où sont consignés les progrès, les objectifs de l'enfant avec TSA. L'enseignante a des objectifs individuels très précis pour chacun de ses élèves. On enseigne aux familles que si elles veulent que leur enfant soit indépendant, productif et heureux dans la vie, elles doivent participer activement à l'éducation de leurs proches. Liliana, la directrice du centre, a offert la superbe possibilité à notre photographe pour cette mission, Valentin, de faire un stage avec les deux cuisiniers du centre Anne Sullivan, formés eux aussi. Il a préparé avec eux le repas du déjeuner. Pendant ce temps, Karina et moi avons quitté le CASP avec un professeur pour nous rendre dans une famille. L'objectif du jour est que le professeur enseigne à la maman à guider son fils autiste de 10 ans avec gros troubles du comportement à faire la vaisselle et son lit. Le centre forme indépendamment le père et la mère car ils n'ont pas les mêmes attentes. Le professeur n'intervient pas directement auprès de l'enfant, il forme les parents. Une solide formation actualisée en permanence également pour les frères et sœurs qui deviennent chacun des professionnels. Lorsque nous sommes partis, l'enfant avait fini la vaisselle ainsi que le lit, accompagné et guidé par sa maman, elle-même guidée par le professeur. Nous retournons au centre, remercier du fond du cœur les deux cuisiniers, déjeuner et rencontrer le jeune autiste qui a réalisé tous les outils numériques du CASP. Nous poursuivons ensuite notre visite du centre Anne Sullivan car nous n'avons encore pas pu tout voir. Nous nous dirigeons vers la salle de sport. Thank you.
dans une salle de formation. La présentation de l'inclusion professionnelle rien que pour nous. La première diapo fait référence à l'inclusion à la vie selon Judith Leblanc. Le professeur nous parle du projet éducatif. Dans le cadre du programme fonctionnel naturel, l'accent est mis sur ce qui est appris ainsi que sur le moment et la manière dont les compétences sont acquises. Ainsi, grâce au processus de généralisation et de maintenance, elles peuvent être utilisées efficacement pour réussir à la maison, à l'école, dans la communauté et au travail. On enseigne aux familles que si elles veulent que leur enfant soit indépendant, productif et heureux dans la vie, elles doivent participer activement à l'éducation de leurs proches aux différentes capacités. Les familles du CASP reçoivent au total 171 heures de formation chaque année. Les frères et sœurs des étudiants participent à 10 heures de formation chaque année à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge adulte. Cela leur apprend également à être de bons enseignants pour leurs frères et sœurs avec des capacités différentes. Le personnel du CASP évalue les progrès des parents et attribue des récompenses à ceux qui ont bien progressé. Les parents et les frères et sœurs évaluent également l'efficacité des spécialistes avec lesquels ils travaillent et du programme au CASP en général 2 fois par an. Le professeur nous parle des 4 critères d'emploi. La précision, c'est-à-dire compléter une tâche sans erreur. La rapidité, c'est-à-dire arriver à la même rapidité que les collègues. L'indépendance, critère relatif à la quantité de supervision nécessaire, distance du superviseur et du coach continu ou séquentiel, l'adaptation à des lieux nouveaux et à différents collègues. Du côté de la jungle, et en fait tout ce qu'elle a appris ici, ça a il n'y a pas de spécialiste là-bas, elle ne savait pas comment gérer son enfant. Et grâce à Dieu, elle est arrivée dans ce centre sans savoir que ça se fait. Et j'ai vu la lumière, toutes les portes se sont ouvertes. Comme en France, la On m'a appris à avoir des attentes hautes envers mon enfant. Et on m'a appris à me concentrer sur les habiletés de mon enfant. Première fois que je suis venue en classe, en entraînement avec la classe, et moi je n'arrivais pas à lui donner la moindre instruction pour qu'il réussisse. En un instant, j'ai vu la spécialiste réussir à faire des choses, et moi je me disais que je suis la mère, et moi je n'ai pas réussi à lui faire faire cet inconnu avec moi. Alors j'ai commencé à penser différemment. Et toi, tu peux le faire. J'ai commencé à me dire que je pouvais le faire. Et grâce au centre. Et on nous apprend à être mère et enseignante. J'ai une énorme gratitude pour le centre. C'est mon deuxième foyer. Commençant par Liliane, tous les autres spécialistes. Ça fait 20 ans qu'elle est dans le centre. Toute une vie, j'ai connu mon enfant tout petit.
profesor. Perfecto. A ver tú. Pieza. Oye, ¿tú cómo lo vas a todavía? Ya. ¿Puedo? Sí, pero tenemos que terminar todos igualitos para darles la sorpresa. ¿Tienes sorpresa? ¿Tú tienes sorpresa? Susi, ¿ah? Ahora sí, tú ya terminaste. Sí, ya. Guarda la amor, vamos a un día. Vamos, Fernando, rápido. Ok, Roberto, a guardar, quítalo, a guardar.
este lado. Y por aquí tenemos a Manuel. Manuel está con la señora Ana. Manuel tiene 10 años de edad. Chaque parent vient avec son enfant montrer aux autres parents ce qu'il a appris à faire. Les jeunes sont capables de tout apprendre et les parents sont capables de leur enseigner tout ce qui est important. Puis, les parents viennent à notre rencontre et c'est un vrai moment chaleureux et plein d'émotions où tout le monde parle la même langue. Gracias.